Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on, honesty is true, but the world is pretty cold. You might. Allez, allez, quel gros star pour Guy Pavard avec Perron, Perron, Alexandre qui attaque la barre et le joli retour du frangin derrière avec Perron avant. Alors que derrière, il y a Tardy qui est pour Brest qui attaque à l'intérieur. Également derrière, on ira chercher Brest avec Nathan. Alors que le directeur qui grimpe au prix, voilà, c'est Perquet. Alors que devant, devant, pris l'avant pour Brest, c'est Perron, Alexandre qui remporte cette première finale. 13 ans, 39 ans. Et là, je peux vous dire qu'on n'est pas là pour rigoler. Alors, on s'est fait enfermer du côté de Cornouailles et on en profite avec Marlon Franck et Roland Nicolas à la bataille. Avec derrière Anthony Tsenez, du représentant Guy Pavard, avec Sutel Armand, troisième place, alors que c'est repassé devant du côté de Roland Nicolas avec Marlon Franck en seconde position. Et Anthony Bonnez à la troisième place. Alors que devant, c'est très serré, on essaie de revenir sur le leader du côté de Cornouailles. Et finalement, c'est Roland Nicolas pour le tour de Guy Pavard qui va remporter cette finale des 40 et plus. Et c'est le cas, qu'est-ce pas? C'est Brest qui est la partie. Brest avec juste derrière l'Arthur et Pinot, il s'est où à Rome. Et Brest qui a su s'imposer dans cette première ligne droite avec derrière Thérèse Valentin, accompagné également de Bianic Jules. Voilà pour l'instant Pinot à la quatrième place de l'Arthur. Alors que devant Brest pour l'instant, c'est un bon et normalement devrait finir comme leader dans la grande finale des pré-licenciés, toujours au Gaspard avec le Maria derrière, le Maria Pérez-Valentin qui vous passe devant. Ah, le grand retour et Brest qui revient. Alors attention monsieur, et Brest avec une chute de l'homme Maria et finalement on passe juste derrière avec Bianic, Alexis et Guy Pavard en troisième position. Ah, on peut la... Allez, c'est le leader pour l'instant du classement. Pour du classement du coup de Bretagne qui est devant avec les derrière, mais il y a Roland Bastien derrière. Il y a Roland et Brest pour l'instant à la troisième position. Avec Alex. Alex à la troisième place, alors qu'on essaie de revenir avec Urban derrière. Et Urban avec Marchadour. Pour l'instant à la quatrième place. Et ça tient bon du côté de Glédaren. Accompagné à la deuxième place de Roland Bastien. Le Brestois qui tient bon. Le Brestois avec sa plaque 02, monsieur Alex. Alex, et à la plus devant, c'est sans souci. On remporte cette finale des Poussins avec les Darennes, seconde position Roland Bastien. Et enfin, on vient compléter le podium avec le Brestois Alex. Et là, c'était sorti très fort à Cornouailles. C'était sorti Philippe Dorion. On a la grosse remontée du Brestois derrière avec Kélésar. Tu on a pris les devants du côté Brestois. Avec notre ami, je voulais dire, Arthur, sur une position de la troisième position pour l'instant. Pour l'instant, c'est Julien, qui pilote de Guy Pavard avec Adelin et Owen. Alors que derrière, c'est serré, Brest qui fait des remontées. À Brest, on ferme les portes avec Malard Lucas juste derrière le Guy Pavard. Adelin et Owen. Alors que devant, on s'envole tout droit vers la victoire. Je dis bien vers la victoire pour Brest Mérite avec monsieur Elias Arthur. Et les Assurés qui remportent cette finale des pupilles. Avec en seconde position, nous retrouvons Philippe Dorion. Et enfin, le keeper atteint. Attends.
Allez, c'est Cornouaille qui donne le tour avec Cassalé, Flotte Latao. Cassalé avec là-bas. Là-bas, le pilote de l'homme Maria Bénix avec le Woupen. Ah, ça attaque. Ça attaque avec Yvan. Juliette Anthony, le Woupen, troisième position. Alors que Balavec-Levis là-bas fait tous les remontées. Alors que devant, on lâche pas l'affaire. Du côté de Cassalé, Flotte Latao avec derrière Juliette Anthony. Et la troisième position pour l'instant, elle est détenue. Elle vient compléter le podium avec Don Maier, le Rouen. Alors que devant, tout droit vers la victoire pour Cassalé, second. Juliette Alagna, enfin, troisième place. Allez, avec un gros stade, ça sort très fort à Brest. Est-ce qu'on aura droit à sauter? Mais oui, voilà, qu'est-ce qu'il a dit, Bossuet? Bossuet, qu'est-ce qu'il a fait des opérations dans cette équipe féminine? Avec derrière Binizagan, avec Nathan place à 3ème position à l'assemblement. On se dirige tout droit vers la victoire pour notre ami Brestois, Bossuet Nathan. Devrait finir leader sur la salle à des minimes avec le second place à grosse bagarre avec Guipala, qui tient bon, et je peux pas vous dire comment c'est passé à Nathan et Vini Dagon. Et c'est le Brestois Stéphane Michel qui a starté, c'est bien. C'est qui là-bas? On fait juste derrière. Il part avec Marchadour Laurent, le mène Eric à la troisième position, mais le Brestois qui s'attaque là-bas. Ah, on a essayé le tout pour le tout avec Brest, avec quoi par Mathieu, alors que ça revient avec Thierry Didier, mais devant avec Monsieur Stéphane Michel qui normalement devrait remporter cette finale. Loisir avec juste derrière le pilote de Guy Pava avec Marchadour Laurent et enfin en troisième place le Maine Eric. Et moi je peux vous dire que M. Carpentier n'est pas là pour rigoler avec Roland Nicolas derrière pour risquer qui fait tous les intérieurs. Alors que derrière on va aller chercher le leader du côté de Fougaster, ah, ça jump pour Isquière là-bas, avec la demoiselle Manon Bertinac à la 15e place, alors que Roland Nicolas à la seconde place, hein. Alors que Carpentier-Rémy effectue la dernière ligne droite de cette piste de Pipava pour aller remporter cette finale des Masters Compétition. Et en seconde place, on retrouvera Roland Nicolas et en troisième position. Et ça startait du côté de l'Ouloen. Ça startait, mais après ça va, ça a shooté. Ça a chuté alors que devant le Rouloen avec Pablo Drezé également, Brest là-bas, Brest avec Perron Alban également qui attaque. Ah c'est chaud alors que devant le Rouloen pour le tableau de Maria avec Pablo Drezé qui est comment le faire le doublé alors que derrière ça glisse du côté de Brest et du coup on en profite du côté de Perron Alban pour le tableau de Guipara pour se placer pour la troisième marche du podium. À la grosse sortie de l'Allemagne avec mon prince Kevin qui repasse à l'extérieur. Et mon prince Kevin qui a fait du boulot avec l'Allemagne derrière. Troisième position, Perron Alexandre pour le cas de Guipava. Alors que Kevin m'embrasse et le roue est toujours à l'attaque. Toujours à l'attaque pour l'assistant de piste là-bas avec Perron. Perron Alexandre à la troisième position. On ira également retrouver du côté de mon prince Kevin et le Rouen, je sais qu'il passe à. Avec voilà, et troisième position, nous irons du côté de Perron Alexandre.